Allez, bonjour les amis, Tino, Passion Maquette, super ravi de vous retrouver pour un nouveau unboxing. Donc voilà, ça fait un petit moment que je l'ai acheté, cette petite maquette là. Et je voulais faire cette petite ouverture de boîte, donc ça sera une prochaine maquette qui sera sur la chaîne et qu'on montrera ensemble. Voilà les amis, donc j'envoie le jingle et on ouvre, let's go! Et voilà cette petite maquette, donc c'est une Porsche Turbo RS type 934. Voilà, une belle petite voiture de course. Donc là, on va faire un petit tour de boîte déjà. Donc là, devant, la devanture impeccable. Donc il y a de la photo deck. Voilà, donc là, c'est le côté. Voilà, donc on monte les côtés, le devant, l'arrière. Hop, un autre côté. Rien de plus. L'autre côté, on monte le dessus. Le dessus avec toutes les notices, les peintures, la photo deck. Donc voilà, donc c'est une voiture, elle fait à peu près presque 18 cm de longueur sur 8 cm de large. Voilà. Donc voilà les amis, donc là j'ouvre la boîte maintenant. C'est parti. Bon bah les grappes déjà, c'est du orange. Bon, de toute façon, c'est du Tamiya, hein. Je vais juste vous montrer ça vite fait. Ça va être une petite vidéo assez courte. Hein. Ça va être une vidéo assez courte. Donc, on va tout ouvrir. Je vais commencer déjà par les grappes. Donc là, la grosse grappe noire. Hop. Bon, bah, c'est du Tamiya. Hein. On reste avec une valeur sûre. Donc voilà, donc je vais vous défiler toutes ces grappes et puis après on fait un petit point sur la notice. Voilà les amis, le petit tour de grappe est passé. Bon, c'est plutôt un bon modèle, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc là, la petite notice
comment se servir d'un cutter, d'une petite perceuse et de dégrapper et de coller, ça y est, pas de problème, on sait jamais. Et ici c'est pareil, les distances, on projette les bombes quand on peint tout ça. Voilà, la petite notice. Alors ça c'est le petit, donc c'est un petit fascicule, enfin maintenant je sais pas, un petit fascicule d'information. Donc voilà, où on vous explique l'histoire de la voiture. Si vous voulez, je vous ferai, ou sinon je vais essayer de vous l'avancer là, et puis vous ferez un, je sais pas si on voit, est-ce que ça zoome? Non, je vous ferai une photo. Et vous le lirez si vous voulez, ou j'en sais rien à vrai dire. Voilà, un truc d'information. L'histoire de la voiture, je vais pas vous le dire. Donc là, on a la photo deck. Voilà. Bon, ben, c'est propre, hein, ça reste du Tamiya, il n'y a pas de souci. Les décales. Il y a pas mal de petits décals sur cette petite voiture, ça c'est sympa. Donc hein, je vais la faire orange, hein, y a pas de problème. Hein. Ça va être un orange à quelque chose près, donc c'est un orange Porsche. Regardez, j'ai ça comme peinture, ça ira très bien. C'est un Porsche Lava orange. Donc si on regarde la boîte, hein, il y a... C'est pas mal, hein, cette couleur. On va partir sur cette couleur. Voilà. Ça va le faire, c'est cool. Une belle petite maquette en perspective. Mais je vais la commencer, je vais pas la commencer tout de suite. Hein. Avant, je vais finir ce que je suis en train de faire. Donc le Sambabus et la Shelby. Je sais pas si je fais deux maquettes à la fois ou trois maquettes à la fois. Ça fait beaucoup après trois, je pense. Ouais, on va rester sur deux maquettes, c'est pas mal. Donc voilà les décals, avec l'espèce de serre, tout ça. Franchement, ils sont jolis, ça le fait, c'est cool. Nickel. Donc voilà, hop là, on range ça proprement. Hop là. Et puis voilà la notice. Comme d'habitude, hein, une petite notice Tamiya, voilà, qui est assez claire. Bien compréhensible. Donc voilà, partie 1. Donc partie 1, comme d'hab, hein, le châssis, les comment ça s'appelle, les soufflets, le train avant, avec les fusées, les disques. Partie 3, toujours on installe les fusées. Donc partie 4, là, on installe les amortisseurs. Partie 5, ça sera les pots d'échappement. Voilà. Par contre, c'est dommage, c'est qu'il n'y a pas de... Vous avez vu, il n'y a que le moteur qui est en bas. Moi, je trouve ça dommage. C'est sympa quand il y a un moteur séparé à faire. Ça, par contre, je trouve ça dommage. Enfin bon, c'est pas grave. Les pneus, les jantes. Donc là, ça va être les fixations des roues. Donc là, on attaque l'habitacle. Voilà. Donc, il y a des décals à mettre, tout ça. Est-ce qu'on voit? Oui, on voit, c'est bon. Hop là. Ensuite, donc là, c'est l'arceau de sécurité. Là... On installe l'arceau de sécurité, fixation de l'habitacle là sur le châssis. Voilà. Et là, on fait la fixation des vitres. Voilà. Ensuite, on arrive à la partie 12. La partie 12, fixation des vitres toujours. Ensuite, on fixe la carrosserie avec le châssis. Partie 13. Et ensuite, il y a toutes les parties 14, il y a toutes les, tous les petits détails à mettre, tous les équipements. Partie 15. Donc là, on finit avec, on fixe toutes les pièces arrière. Voilà, et puis donc là, c'est toute la partie décale, bien sûr, qu'on fait avant et qu'on va peindre, enfin, qu'on peint, et tout le tintouin, quoi, comme je dis, que tout le tintouin, les gars. Donc voilà. Ah, c'est cool, ça va être une belle petite maquette à faire. Bon, ça reste du Tamiya, ça va me changer du Italerie, parce que je vous cache pas que là, le Italerie, même le Revel, hein, Là, la Shelby, c'est pas la maquette que je rêvais, en fait. Hein. Mais bon, on va faire avec, on va essayer de se démerder à faire quelque chose de bien, quand même. Et puis voilà, les amis. Donc, c'était un petit unboxing. Bon, c'était assez court, hein. En même temps, c'est une petite maquette. Je vais tout ranger.
C'était assez court. Donc, pour ceux qui veulent se procurer la maquette, voilà, comme ça vous avez vu l'intérieur. C'est toujours pour ça qu'on fait de l'unboxing. En fait, c'est juste pour que vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur, les grappes et tout ça. Comme ça, si ça vous plaît, vous la prenez ou pas, comme c'est comme vous voulez. Ça, c'est comment dire, c'est à votre guise. Et puis voilà, les amis. Donc là, je range tout, les petits pneus. Les petits pneus, ils sentent bien le pneu quand même. Je sais pas comment ils font. Donc ça serait du plastique. Ouais, je sais pas si c'est du plastique ou du pneu, je sais pas comment ils font pour avoir cette odeur-là. Hop là. Donc voilà les amis. Donc si cette petite maquette vous a plu, ce petit unboxing assez court, je suis désolé. Vous pouvez quand même mettre des petits pouces. Tac tac, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, donc je vous dis à très vite. Donc la prochaine vidéo, ça sera certainement le Samba Bus ou la Shelby. Ça sera la surprise. Ouais les amis, allez à plus, allez ciao, portez-vous bien. Allez, ciao, 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 bye.